Bonjour à tous ou salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. Nous avons une nouvelle série pour vous, tout pour votre bonheur, parce que nous allons enfin vous expliquer comment gérer vos pensées. Mais avant cela, sachez que je suis merveilleusement accompagné. À ma droite, j'ai le pasteur Isaac Tuntum. Bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. Et j'ai à ma gauche le pasteur Darius Rokambura. Bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. Et nous avons le DM, le pasteur Gentil Mafoua. Bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. Le thème sur les pensées est tellement, mais my God, tellement important, pasteur, pasteur Isaac. Merci, merci apôtre pour l'opportunité que tu me donnes d'être encore une fois dans cette émission pendule à l'heure. Je suis content d'être également avec les, les autres amis qui sont en face. Tu voulais dire quoi, frère? Non, tu voulais dire quoi? Non, il voulait encore les taquiner, dire je suis content d'être avec les stagiaires. Ils viennent apprendre le métier. Hein. J'ai senti ça aussi. Non, avec les autres personnes qui sont en face. Non, mais vraiment, cette émission, le thème est extrêmement important. Je pense qu'on le verra tout au long du délèvement. On comprend vraiment que Dieu nous a donné l'âme, sinon Dieu nous a donné la pensée pour pouvoir créer notre monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, pasteur Gentil. Merci, apôtre, effectivement, pour l'opportunité. Je pense qu'il s'agit ici d'un thème très important parce que Jean va nous le dire. Il va dire, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, ça veut dire que si l'âme ne prospère pas, il y a un problème, effectivement, dans la manifestation de notre prospérité. Très souvent, on a tendance à se focaliser sur l'esprit, alors que l'âme, j'aimerais dire, est la manifestation de ce qui se passe dans notre esprit au travers du corps. Donc, le thème qu'on va voir est super important. Oui, merci beaucoup, apôtre, pour l'opportunité, encore une fois. Je pense que c'est vraiment important, comme tout le monde l'a dit, parce qu'en fait, nos pensées vont déterminer notre vie. Parce que c'est la façon dont nous pensons que nous allons poser les actions que nous posons, en fait. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le Seigneur va nous demander de transformer notre intelligence, de changer nos façons de penser pour que nous puissions changer nos vies, en fait. Donc, en réalité, la pensée va diriger notre vie. Non, c'est vrai. On aura une émission sur l'homme en trois dimensions. Sachez que nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et là, nous allons, pendant cette série, vous parler principalement d'un élément de l'âme. Parce que la pensée, c'est dans l'âme. L'âme, il y a les émotions, il y a la pensée, il y a l'intelligence, etc. etc. Et donc, nous allons vraiment nous arrêter dessus pour vous montrer comment arriver à correctement renouveler votre pensée, à contrôler vos pensées, parce que beaucoup n'ont pas le contrôle de leurs pensées. Bon, peut-être qu'il faut qu'on définisse déjà la pensée. Hein. Pasteur Isaac, la définition de la pensée. Tout à l'heure, en backstage, il avait une explication. Ton explication, parce que tout le monde va donner son explication. Tout à fait. Non, là, c'est vraiment une approche définitionnelle. Je pense que la pensée peut être définie de plusieurs façons. Il y a vraiment beaucoup d'aspects. D'ailleurs, ce thème est extrêmement complexe. Et vraiment, l'approche que je voulais donner, c'est vraiment un aspect, c'est que la pensée est une image qui est sujet à interprétation, une image qui a du sens. C'est ça. Et c'est vrai qu'en backstage, encore une fois, j'étais en train de m'amuser avec le pasteur Darius, en train de lui dire, en fait, si tu es concentré sur... tu es en train de parler avec par exemple un voisin, vraiment tu es concentré sur cette conversation et que quelqu'un te parle à côté, par exemple quelqu'un te dit ben, tiens un billet, et puis la personne te dit que toi tu es concentré, la personne te dit est-ce que tu peux me redire ce que je t'ai dit, il dit non mais je n'ai même pas écouté. Donc en fait, pour qu'on parle de pensée, il faut que l'image qu'on a dedans ait du sens. Et parce que c'est parce qu'une image a du sens qu'on peut véhiculer ces images-là sous forme de langage. Donc, c'est vraiment cet aspect définitionnel que je voulais donner, que la pensée est une image qui est sujet à interprétation, une image à laquelle on peut donner un sens. Amen. Et moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que lorsqu'on parle de pensée, on parle de réflexion. On parle également de conception. Moi, je pense qu'on aura le temps de le voir lorsqu'on parle de conception. Donc, ça veut dire que la pensée ne peut pas avoir lieu si on ne prend pas le temps de réfléchir sur quelque chose. Donc, la pensée naît d'une réflexion, tout type de réflexion. C'est pour ça que même ceux qui vont concevoir le mal, et Jésus va le dire, il va dire que celui qui regarde une femme dans le but de la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle.
Pourquoi? Parce que tout se passe dans la pensée. Ça veut dire à partir du moment où j'ai déjà commencé à réfléchir sur quelque chose, ce n'est pas forcément que j'ai pas, parce que je n'ai pas posé l'acte, que je ne suis pas dedans. J'ai déjà, même les criminels en fait, en réalité, tout commence dans leur tête en fait. C'est parce qu'ils méditent sur la chose, à partir de ce moment, ils commencent à enfanter des... Pascal Arius. Oui, moi je pense vraiment que la pensée est... Et le miroir de qui nous sommes, en fait. C'est le miroir de notre éducation, de ce que nous avons appris, de, des informations que nous avons eues autour de nous. Parce que la Bible va dire « tel un homme pense, tel il est ». Et je pense que c'est important de comprendre, en fait, que la pensée va être le reflet de ce que tu as emmagasiné, en fait. Donc, moi, c'est comme ça que je définirais la pensée. OK, avant de parler du rôle de la pensée, j'aimerais qu'on parle un peu du fou. OK. Je me rappelle, que lorsque j'étais jeune, j'étais vraiment fasciné par les fous. C'est-à-dire que j'essayais de comprendre ce qui leur arrivait et pourquoi ils pensaient comme ça et pourquoi ils étaient à l'ouest. Et donc, il y avait beaucoup de fous dans, notre quartier. Vous connaissez, en Afrique, les fous se baladent par-ci, par-là. Ils ne sont pas dans des cabanons, ils ne sont pas en hôpital psychiatrique. Peut-être que certains sont en hôpital psychiatrique, ils ont eu la chance de trouver une place, mais d'autres non. Et je me rappelle que j'allais souvent voir et je commençais à parler avec eux. Non mais c'est vrai, je vous assure. Non mais incroyable. Parce que... hein, non mais, pas, non, mais je t'assure, je voulais comprendre ce qui se passait. Et quand vous allez les voir, vous leur demandez, ça va? Oui, ça va. Tu vis comment? Non, moi, je suis là tous les jours. Le matin, je me réveille. Et puis, voilà, je prends ma moto. Et puis, je commence à faire le tour de la ville. Il n'a pas de moto, hein. Je commence à faire le tour de la ville. Et après, à un moment donné, il y a une sorte de nuage qui va rentrer dans... tu vois, l'épine là. Parce que quand j'ai commencé à coudre, et puis ma grand-mère, lorsqu'elle allait au village, il y avait un panier à l'intérieur. Et dans le panier, parce que tu vois, le bois, c'est important de le couper correctement. Sinon, à l'intérieur, tu ne vas pas pouvoir... Il y a une glace, souvent, que j'avais l'habitude. J'essaie de suivre. J'ai dit, my God, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où j'ai compris que, en fait, les fous ont un manque de coordination des pensées. Les pensées vont dans tous les sens, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de logique. Et c'est là où on peut avoir deux sortes de fous. Il y a des fous qui n'ont pas, en fait, de coordination de pensée. Il y a des fous qui ont des coordinations de pensée, mais le truc, c'est que ce qu'ils disent, les gens normaux ne comprennent pas parce qu'ils opèrent dans une dimension que certaines personnes ne comprennent pas. Notamment les génies. Certains génies, quand ils vont parler, on va dire ils sont fous parce qu'ils parlent des choses qu'on ne comprend pas, en fait. Et là, on est dans le domaine même de la pensée parce que certaines personnes, en fait, perdent la raison, parce qu'elle n'arrive pas à contrôler la pensée. Et c'est là l'intérêt de toute l'étude. Donc, quand on va vous parler du rôle des pensées, de comment contrôler les pensées, sachez que si vous n'arrivez pas à le faire, certains sont devenus schizophrènes à cause de ça. Mais c'est vrai, effectivement, apôtre, parce que j'ai une personne de ma famille qui, ma grand-mère, une de mes grand-mères qui avait des problèmes, effectivement. Et lorsqu'elle parlait, pour elle, tout ce qu'elle disait avait un sens. Des fois, je pouvais passer des journées avec elle et elle te dit, mais tu vois là-bas la personne qui est là. Mais il n'y a personne qui est là-bas. Il n'y a personne qui est là. Tu vois, là, cette personne-là, elle a mal parlé de moi. Moi, je regarde, je dis, d'accord. En fait, moi, j'acquiesce. Mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour elle, c'est sa réalité. Il faut comprendre quand même aussi que ces personnes-là ont une réalité parallèle. C'est ça. Pourquoi j'ai parallèle? Parce qu'à certains moments, je remarquais que c'est comme si elle revenait à elle-même. Elle disait des choses sensées. Donc, elle parlait de deux choses en même temps, des choses qui sont réelles, qui se sont réellement produites du passé. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que ces personnes-là, des fois aussi, ont des blessures qui sont là, qu'elles ressentent. C'est ça. Parce que lorsque je discutais avec ma grand-mère, elle parlait des choses du passé qui l'avaient blessée. Mais en même temps, elle soutient avec comme un monde parallèle où elle disait des choses qui n'avaient aucun sens. Et pour elle, les deux pensées aller dans le même sens. Donc, il faut comprendre que ces personnes ont quand même une réalité parallèle qu'on ne peut pas forcément comprendre. Donc, en fait, j'ai ouvert juste cette parenthèse-là pour que les internautes comprennent l'intérêt du sujet. Parce que, par exemple, les problèmes de schizophrénie, toutes ces choses-là, parfois, ça vient par une mauvaise gestion des pensées. C'est vrai. Une mauvaise gestion. Parce que
déjà même la possession démoniaque vient par une mauvaise gestion des pensées. Parce qu'au départ, en fait, le diable envoie plein de pensées et ça devient des oppressions parce qu'il envoie tellement. Quand on n'apprend pas à contrecarrer ses pensées, ses pensées deviennent des obsessions. Et on y pense, et quand elles deviennent des obsessions, à un moment donné, elles deviennent des possessions. Et c'est là où le diable entre dans l'âme de quelqu'un ou dans le corps de quelqu'un pour posséder la personne. Vraiment, ce sujet est extrêmement important. Et je pense, comme le disait le pasteur Gentil, ça peut aussi venir beaucoup des blessures. Parce que pour que le diable puisse envoyer beaucoup de pensées comme ça, c'est parce qu'il voit une opportunité. Il voit la possibilité de pouvoir influencer ta façon de penser, en fait. Et en général, il ne va pas t'influencer à faire le bien ou bien à méditer de bonnes choses. Donc, à partir du moment où il y a eu des blessures et que tu as refusé de pardonner ou que tu n'arrives pas à pardonner, et le diable va avoir une opportunité, il va commencer à mitrailler tes pensées, en fait, de mauvaises choses. Et au fur et à mesure, plus tu les acceptes, plus ils continuent, en fait. Et au bout d'un moment, tu ne vas plus gérer, tu ne vas plus réussir à gérer tout ça. Je vais aller plus loin dans ce qu'il dit. Parce que l'histoire que je raconte, en fait, est partie de... En fait, faut comprendre, je vais expliquer pour que les gens comprennent bien à quel point les blessures peuvent être très dangereuses. Ma grand-mère était... donc, elle était mariée à mon grand-père. Et ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père va prendre une deuxième femme. Lorsqu'il va prendre une deuxième femme, le choc va être tellement terrible pour elle qu'à partir de ce moment, elle va avoir plein de pensées qui vont se multiplier. Voilà. Et ça va ouvrir une porte et c'est à partir de ce moment que le choc va provoquer une succession de pensées qui vont commencer à ouvrir un chemin justement à la folie. Et lorsque mon grand-père va prendre une troisième femme, ça va l'achever. C'est là où elle a totalement perdu la raison. C'est à partir de ce moment qu'elle a totalement perdu la raison. Effectivement. Oui, pas ça, exactement. Oui, effectivement. Je pense là, on a quand même évoqué pas mal de concepts. On parle de blessures, on parle de... Il faut qu'on comprenne que la pensée, en fait, comment dire ça? La pensée, quand elle va dans l'âme, elle va toujours... Elle va marquer. C'est ce qu'on a. On reviendra peut-être sur l'aspect de la blessure. Là, on est en train de faire juste une introduction sommaire. Parce que là, on va parler du rôle de la pensée, pourquoi Dieu a créé la pensée. Là, c'est juste pour expliquer l'intérêt du sujet. Je ne sais pas si on a vraiment un peu plus cerné la définition. Mais si tu as une autre définition, vas-y, ou si tu veux approfondir la tienne. Parce que là, il faut vraiment qu'on aille très minutieusement. Il y a beaucoup de concepts. Bon, ça que je voulais dire, comme ils ont quand même... aborder l'aspect des blessures, ainsi de suite. Je suis quand même obligé de parler du subconscient. Dire qu'en fait, une pensée, c'est une image, encore une fois, qui a du sens. L'apôtre a parlé tout à l'heure des fous, en fait. Les fous vont avoir des pensées, des images qui ont du sens. Mais en fait, pourquoi dans le on va parler d'être insensé, d'être sage? Parce qu'en fait, le fou aura du mal. Comment dire, agencer toutes ces images qui ont du sens. Enfin, dans un domaine, en fait, c'est pour cela. Il va dire des choses. Il y a des images qui ont des sens. Il aura du mal à les agencer dans un domaine bien précis. C'est le but de la sagesse. Donc, voilà un peu. Mais bon, pour parler un peu de le pasteur Gentil qui parlait de... Comment dire, c'est des blessures. Il faut dire qu'une blessure, c'est une parole qui est négative si on ne la gère pas. Elle va venir marquer l'âme. Je veux même aller plus loin, elle va aller dans le subconscient. Bon, on verra peut-être ça tout à l'heure. Mais si on ne l'oppose pas, si on ne l'oppose pas avec une pensée positive, elle va travailler. Qu'on aura peut-être de revenir là-dessus parce que je trouve qu'on mélange beaucoup. Va même voir qu'une blessure, en fait, ce qu'on appelle blessure, en fait, c'est simplement une pensée négative qui est venue marquer l'âme. C'est important que ceux qui nous écoutent comprennent ça. Très bien. Moi, c'est quand même important quand on démarre une série, en fait, de donner envie aux gens. C'est vraiment un truc global. C'est tout ça. C'est effectivement tout ça qu'on va voir dans cette série. C'est pour ça que vous ne devez pas du tout la manquer. Regardez tous les épisodes, ça va vraiment vous aider. Et recommandez cet enseignement-là à plus d'un. Il y a certains et beaucoup d'autres qui vont être bénis et sauvés. Nous allons commencer cette émission avec le rôle de la pensée. Parce que, en fait, Dieu n'a pas donné une pensée à un être humain par hasard. Bon, il y a des êtres pensants dans l'univers. Dieu pense, le diable pense, les démons pensent, les anges pensent et les êtres humains pensent. Mais pourquoi Dieu va donner la pensée? C'est quoi le rôle, justement, de la pensée? D'abord, le rôle pour lequel Dieu a donné
donner une pensée à l'être humain, ou la capacité, la faculté de penser. Je pense qu'au moment où Dieu va créer l'homme et la femme, il va les mettre dans le jardin d'Éden, il va leur dire en fait que, tu nous as souvent enseigné que le jardin d'Éden n'était pas sur toute la terre en fait. D'ailleurs, la Bible va préciser les limitations du jardin d'Éden. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'il fallait qu'il fasse du jardin d'Éden, enfin toute la terre, ce qui est au jardin d'Éden. Ouais. C'était un peu, comme tu disais, la maison témoin. C'est ça. Voilà. Donc, sauf que pour le faire, il fallait qu'ils aient une pensée. Il fallait qu'ils aient une image pour produire à l'identique. Sauf que pour aller même plus loin, Dieu va demander à l'homme de donner les noms aux animaux. Là, cette fois-ci, il est aussi en train de lui donner, demander sa capacité de création, d'innovation, j'ai envie de dire. Donc, je pense que la pensée nous a été donnée pour créer notre monde, en fait. C'est ça. Pour créer et pour pouvoir mettre les couleurs qu'on aimerait mettre, en fait. Pour exprimer notre caractère. Donc je pense que d'ailleurs, il n'y a rien qui se trouve autour de nous qui n'a pas été d'abord pensé avant d'être créé. Donc tout ce qu'il y a autour de nous a d'abord été pensé. Je pense c'est que ça. La pensée nous a été donnée premièrement pour créer. C'est ça. C'est ça, exactement. Lorsque Dieu va dire à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, moi je pense que ça commence d'abord dans la tête. Lorsque Dieu leur dit soyez féconds, ça veut d'abord dire dans votre tête, imaginez des multitudes et ensuite reproduisez-le dans le monde physique. C'est ça. Donc ça veut dire que toute personne qui n'a pas pensé une chose ne peut pas la produire dans le monde physique, effectivement, comme le pasteur Darius le disait. Amen. Oui, parce effectivement, c'est vraiment ça. Dieu nous a donné la pensée pour voir, pour, comment dire ça, pour créer des visions. Est-ce que je pense qu'il y a des visions qu'on a dans la dimension de l'esprit, il y a des visions qu'on va avoir dans l'âme, et puis il y a la vision avec nos yeux physiques. Donc Dieu nous a donné la pensée. Encore une fois, ça donne même une définition, encore une fois, à la pensée. Je pense qu'on va un peu trop vite en besogne. Il faut qu'on continue vraiment à bien... Je pense que, comment dire ça? Une pensée, une vision, c'est un élan de pensée, finalement. C'est une pensée, ce sont des images qui sont dynamiques sur lesquelles on va méditer. Donc, je pense que Dieu nous a donné la pensée pour créer, pour voir. Et à chaque fois, il va dire à Abraham, regarde le ciel. Et regarde les étoiles, si tu peux les compter à chaque fois. Regarde le sable, si tu peux compter, pour qu'Abraham puisse créer ce que Dieu voulait créer au travers d'Abraham, qu'Abraham puisse le créer avec sa foi. C'est ça. Donc, on a la foi dans l'esprit, mais la foi a besoin, comment dire ça? On a besoin de voir ces choses-là dans l'âme. Donc, Dieu nous a vraiment donné la pensée pour créer. Du coup, pasteur Isaac, si on parle de la création avec la pensée, et dans des émissions précédentes, on a aussi parlé de la création avec la parole. Donc, du coup, la pensée est liée à la parole. Exactement. Donc, effectivement, donc, on voit que la parole est un véhicule de pensée. Donc, la parole est un véhicule d'images qui ont du sens, qu'on appelle pensée. Oui, pasteur. Oui, je pense, en fait, même au-delà de ça, c'est que la parole va être le véhicule qui va nous permettre de prendre les choses du monde spirituel et de les ramener dans le monde naturel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les seules entités qui sommes esprit, âme et corps. C'est ça. Même Dieu est esprit et âme. Les anges, esprit, âme. Nous, nous sommes les seuls qui sommes esprit, âme et corps. Donc, à partir de là, c'est que nous avons... Le corps de Dieu, c'est nous. Exactement. Et nous avons la possibilité de pouvoir, en fait, manifester, c'est-à-dire interagir avec les choses dans le monde spirituel, également dans le monde physique. C'est ça. Et le moyen de ramener les choses du monde spirituel dans le monde physique, c'est par la pensée. Dans un premier temps, on va le visualiser, le voir dans le monde spirituel, et par la parole, comme le pasteur Isaac le disait, le véhicule de nos pensées, on va pouvoir transporter ces choses jusqu'à, bien sûr, dans le monde physique, sachant qu'on va utiliser également la foi, ce qui est aussi un autre aspect. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que nos pensées nous aident à pouvoir matérialiser l'invisible. Il y a même, pasteur Gentil, désolé, avant que l'idée ne fuit, on voit, je comprends également en écoutant ce que le pasteur Darius dit, en fait, Dieu nous a donné la pensée. Finalement, ce qui me vient, c'est pour aider notre esprit à créer. Parce que quand on parle la foi, on va voir, la foi va toujours avoir une pensée. C'est ça. On le voit avec Abraham. Quand il va penser que Dieu, on pourra peut-être le lire, Abraham va penser. La foi a toujours une pensée. C'est ça. Donc, on voit que la pensée nous a été donnée pour aider l'esprit à créer. C'est ça. Parce que ce qui est dans notre esprit, nous ne pouvons pas le parler. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers. Mais pour parler ce qui est dans notre esprit, il faut qu'il y ait l'équivalent dans l'âme. Cet équivalent-là, c'est la pensée. Et le pasteur Gentil disait dans le préambule,
que Dieu veut que nous prospérions à tous égards, nous soyons en bonne santé, mm-hmm. qu'on prospère l'état de notre âme. Mm-hmm. Or, notre âme prospère, ça veut dire que notre âme réussit, ou en d'autres termes, notre âme a des pensées de réussite. Mm-hmm. Et ces pensées de réussite ont pour source notre esprit, bien sûr, par l'Esprit de Dieu qui réside en nous, avec la parole de Dieu. Oui, ce que je voulais dire, c'est que aussi la pensée nous aide à ordonner notre créativité. Mm-hmm. Moi, j'ai remarqué quand même quelque chose. Lorsque Dieu va créer dans Genèse 1, la Bible va dire que Dieu va d'abord faire le constat selon lequel la terre était informe et vide, et ensuite les ténèbres. Mais pourtant, Dieu ne rétablit pas la terre sans avoir fait la lumière. Pourtant, il constate d'abord que la terre informe est vide, et ensuite les ténèbres, mais il fait les choses dans un certain ordre. Pourquoi ? Parce que la pensée nous permet aussi de faire les choses dans un certain ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, on veut créer, mais la pensée est là pour nous aider à organiser également nos idées. Exactement. Ça veut dire que je ne peux pas créer sans avoir établi déjà le point 1, le point 2, le point 3. Mm-hmm. Et une personne justement qui est équilibrée dans ses pensées va pouvoir créer des choses qui sont équilibrées. Mm-hmm. Parce que ça veut dire que si mes pensées ne sont pas équilibrées, je peux créer, mais je vais créer dans le désordre. C'est-à-dire que la tête se retrouve à la place des pieds, les pieds se retrouvent à la tête. Donc ça nous permet aussi d'organiser notre créativité. Mm-hmm. Et autre chose aussi, si je peux permettre de rajouter, par rapport à la définition, je pense que la pensée va aussi nous permettre d'avoir accès au monde invisible. Mm-hmm. C'est-à-dire que non seulement nous allons pouvoir ramener les choses du monde invisible au monde physique, mais nous allons également donner la possibilité, en fait, comment je vais dire ça ? On peut même prendre les pensées des autres, les ramener dans le monde physique. Je m'exprime. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à recevoir certaines choses de la part de Dieu, en fait. Et le fait que nous puissions les prendre et les ramener dans le monde physique, on va pouvoir développer leurs pensées à eux, leur montrer que c'est possible de devenir un témoignage. Et par conséquent, ils vont pouvoir maintenant y croire. C'est-à-dire que la pensée va aussi être cette possibilité, cette capacité de pouvoir encourager l'autre et pousser l'autre à pousser plus loin sa pensée. En fait. Amen. Quel est le lien que vous établissez ? Bon, vas-y. Après, je vais pousser l'étude encore. Pendant qu'il parlait, il y a une idée qui m'est venue. Mais la pensée, comme l'âme d'ailleurs, va également être une porte de notre esprit. Je pense que Dieu nous a donné également la pensée. Pour, par exemple, pour édifier notre foi, pour construire notre foi. Parce qu'on voit que l'âme est vraiment ce médiateur-là qui va prendre, on va prendre des pensées. Le pasteur d'Arabie vient de prendre du monde physique et du monde spirituel. Et donc, la pensée nous permet de prendre des choses dans le monde. Est-ce que c'est vraiment un monde physique? Mais dans le monde intellectuel, chez les autres. Le monde, ou bien prendre des informations. Ça peut même être dans le monde physique. Voilà, hein, pasteur, parce que quand tu lis un livre chrétien, en fait, les écritures sont bien physiques, en fait. C'est vrai. Et c'est les yeux qui voient, c'est bien le physique, en fait. Hein. Et c'est dans le cerveau, après, le cerveau va transformer ça en pensée, et la pensée va communiquer ça à l'esprit pour édifier l'esprit. Amen. C'est donc, vraiment, c'est ce qu'il disait. Donc, vraiment, la pensée nous a été donnée pour également édifier notre foi. Édifier notre foi. Parce qu'on pense qu'on peut proclamer la parole de Dieu et quand notre esprit entend, la foi peut être édifiée. C'est pour ça qu'on dit souvent, en fait, aux téléspectateurs que les trois dimensions de l'homme sont extrêmement importantes, en fait. Parce que, je suis désolé, il y a des livres qui sont écrits pour pouvoir booster notre foi, parce qu'il y a des gens qui ont une foi plus élevée et que Dieu a mandaté de nous enseigner pour pouvoir élever notre foi. Vous voyez? Et le truc, c'est que si ces choses-là sont écrites, il faut des yeux, en fait, pour pouvoir les lire. Et c'est compliqué pour les aveugles. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent le toucher, peut-être en braille, vous voyez? Mais là encore, c'est le monde physique. Il faut avoir la main. Est-ce que vous comprenez ça? Pour pouvoir interpréter cela, pour que ça devienne des pensées. Donc, c'est vraiment une erreur pour le christianisme d'aujourd'hui de pouvoir mépriser le corps. Et de dire que non, le corps ne sert à rien. Et c'est pour ça que nous disons toujours qu'il y a une différence entre la chair et le corps. C'est vraiment, la Bible fait vraiment la différence. La chair, ce sont des œuvres, selon la Bible, en fait, qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Mais le corps, c'est la troisième dimension de l'être humain. Donc, c'est important de ne pas négliger cette dimension-là qui peut
vraiment nous amener à transformer les choses en pensée, édifier notre foi. Mais chaque dimension de notre être communique avec un monde. C'est ça. Notre esprit communique avec le monde spirituel, âme communique avec le monde intellectuel, psychique. Oui. Et notre corps communique avec le monde physique. C'est ça. Donc ça veut dire que quand je suis dans le domaine de la pensée, je peux communiquer même avec la pensée de celui qui a écrit son livre. Exactement. Et c'est pour ça que le niveau intellectuel que nous avons va déterminer la communication que nous allons avoir avec le monde intellectuel. Exactement. Ça veut dire que pendant que même un prédicateur est en train de parler, si je n'ai pas une intelligence très développée, je risque même de tordre le sens des Écritures. C'est exactement. Pour ça que le domaine intellectuel est très, très important. C'est même pas forcément lié au niveau d'études qu'on a. On peut même avoir fait de petites études, mais développer quand même son intelligence pour arriver à un point où notre créativité et notre compréhension est très fertile, sont très fertiles. J'ai bien aimé ce que le pasteur Gentil vient de dire, le fait de capter l'idée de celui qui a écrit un livre. En fait, l'image que j'ai, c'est, comme il disait, dans les trois dimensions, nous avons comme des membres, en fait, pour pouvoir attraper et prendre certaines choses. Et des fois, lorsqu'on n'arrive pas à capter, à saisir l'idée dans un livre ou dans un message, on peut passer à côté de ce que la personne voulait nous dire. C'est ça. Et l'idée, c'est de réussir à saisir l'idée. Par exemple, si le pasteur Isaac me tend son téléphone et que moi, je tends ma main de l'autre côté, je pourrais ne pas saisir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas tendu ma main, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tendu la sienne. Mais c'est juste qu'il y a eu un problème au niveau de mes membres, j'ai envie de dire psychiques, pour réussir à capter le message ou l'information qui m'a été donnée. Et je pense que c'est vraiment important de savoir ordonner, organiser ses pensées pour capter ce qu'il faut quand il faut au bon moment. D'où le fait que ça va revenir peut-être à un message, à un enseignement qu'on a déjà eu ou du moins une émission qu'on a déjà fait où on disait que des fois il faut aussi reposer le corps pour réussir à bien penser. Parce que si on n'est pas bien reposé, on peut mal capter certaines informations et on ne pourra pas accuser la personne en face de ne pas avoir donné l'information. C'est juste nous qui n'avons pas pu capter l'information. Donc je pense que la pensée est tellement importante lorsqu'elle est bien organisée, comme disait le pasteur Gentil, et qu'elle est bien structurée parce que nous allons avoir vraiment ce que nous sommes en train d'essayer d'avoir. En fait. Du coup, elle est entièrement liée au cerveau. C'est ça. Elle est entièrement liée au cerveau, en fait, hein, parce que dans le corps, la pensée est liée au cerveau. Certains scientifiques disent que le cerveau, c'est quelque chose de super bien organisé, en fait. Il y a des compartiments, c'est pas croyable, ça. C'est mieux comme ça. Il y a des compartiments, en fait, dans le cerveau, pour les mathématiques, il y a des compartiments pour les langues, il y a des compartiments pour pas mal de choses, en fait, l'architecture, etc., etc. Et donc là, on comprend que si on veut clairement faire passer les choses de notre cerveau vers un autre cerveau, il faut que nous le fassions de façon organisée. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on parle, on doit avoir un plan. C'est ça, tout à fait. Et l'une des erreurs, et ça, le Saint-Esprit me l'a montré avant même que je ne démarre l'Église, le Saint-Esprit m'avait dit que l'une des erreurs que les pasteurs dans les églises font, c'est de ne pas avoir des programmes d'enseignement. Quand on dit programme, c'est-à-dire que on sait que là, on va parler d'abord de la nouvelle naissance, parce que ça, c'est le commencement, en fait. Après la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, on va parler de ceci, de cela. Et que si on parle, par exemple, de l'homme en trois dimensions, ou si on parle de certaines notions avant d'autres notions, le cerveau peut avoir des difficultés à comprendre et assimiler. Donc, il faut organiser les connaissances pour pouvoir mieux les véhiculer. Ça, c'est important, ça. Et l'apôtre, pendant que tu parles, je pense que l'âme aussi, c'est pour ça que c'est la dimension de l'âme qui est connectée au corps, au cerveau. Au cerveau, exactement. Parce que l'âme a plus ou moins la même organisation. C'est pour ça que certains vont même comparer l'âme à l'ordinateur. Je pense que l'âme, d'abord, est aussi organisée comme ça. Il faut bien agencer ses idées, il faut une cohérence, une bonne organisation. C'est pour ça que l'âme est connectée au cerveau, pas l'esprit. L'esprit n'est jamais connecté au corps, sinon au cerveau. Il faut que ceux qui nous regardent comprennent bien que le cerveau n'est pas l'âme. L'âme est connectée au corps par le cerveau. Donc, c'est pour ça que le cerveau s'organise un peu comme l'âme, en fait. Donc, il faut toujours les idées bien organisées. C'est comme nous sommes en train de développer ce thème-là. On commence bien par définir c'est quoi la pensée. Et ça permet aux internautes, par exemple, de bien comprendre ensuite, aborder d'autres
concept, par exemple, un peu plus haut, on a parlé de l'oppression, de dépression et tout ça. C'est des choses où on a besoin de bien décortiquer, sinon, ils ne vont pas bien assimiler les thèmes ou bien parler de blessures. Il faut qu'ils comprennent entre le rapport entre la pensée et la blessure. Parfois, même dans le milieu chrétien, ce sont des mots qui sont assez courants, mais si on demande vraiment aux chrétiens d'expliquer c'est quoi une blessure par exemple intérieure, ils ne sauront pas. Ouais. Mais c'est des mots qu'on utilise tout le temps. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vraiment aller progressivement. Et ça, c'est ce que les fous ne vont pas pouvoir faire. Les gens sages sauront que, tiens, il faut que j'amène d'abord ces idées-là, ensuite d'autres. Les idées que je commence à définir vont m'aider à comprendre d'autres idées, d'autres choses qui vont être abordées. Donc, c'est ça, là. Parce que même dans la communication... Excuse-moi, pasteur. Parce que même dans la communication, moi, j'explique souvent à mes enfants, je suis quand même... Je suis assez, comment on peut dire ça, dur, je ne sais pas s'il faut dire dur, très direct avec mes enfants en ce qui concerne la communication. C'est-à-dire que quand je discute avec mes enfants, et lorsque les enfants, mes enfants sont là, moi direct, je coupe la parole et je dis non, tu dois t'exprimer correctement. Et là, je leur ai déjà fait retenir que ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous voyez, non? Et je leur dis ça, et Elisea peut vous réciter ça, Jériel peut vous réciter ça, David peut vous réciter ça, parce que je leur ai fait retenir ça. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et le mot pour le dire arrive aisément. Quand vous prenez le temps de concevoir ce que vous allez dire, vous allez, pendant la conception, vous rendre compte que non, je ne peux pas dire cette idée-là avant celle-là. En fait, Dieu a créé l'homme comme ça, avec la logique. C'est important de comprendre que Dieu a créé l'homme avec la logique. Et c'est pour ça que René Descartes, dans le discours de la méthode, le chapitre 1, la première phrase, c'est le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, en fait. Donc, il faut prendre le temps de concevoir et vous allez voir que votre cerveau va correctement vous servir. Vos pensées vont vous dire non, tu ne peux pas mettre cette pensée-là avant celle-là. Mais il faut prendre le temps de concevoir. C'est vrai. Et j'aimerais même ajouter ce que tu dis, Apôtre, parce que c'est très important. La façon dont on va s'adresser aux enfants, c'est pas la façon dont on va s'adresser aux adultes. C'est ça. Parce qu'on va prendre le temps de se dire, mais qui est en face de moi? Est-ce que, ok, très bien, mes idées sont bien organisées, j'ai dit les choses dans le bon ordre, mais est-ce que la personne en face a aussi une structure aussi organisée que la mienne? Et du coup, je peux pas lui dire ça de la même façon. Parce que le but de la communication, c'est de communiquer une pensée. C'est ça. Communiquer une pensée. Voilà. Or, l'idée, si toi, tu communiques et que tu comprends ta pensée, et que la personne en face n'arrive pas à la saisir, ça ne sert à rien, en fait. L'idée, c'est que la personne en face capte la pensée. D'où le fait que quand on parle aux enfants, on emploie certains mots, on parle d'une certaine manière, aux adultes d'une certaine façon. Je dirais même, selon la culture des gens, selon la société dans laquelle ils ont grandi, selon la mode dans laquelle nous sommes, on ne va pas parler de la même façon. Et ça, on appelle ça l'intelligence. Ça, on appelle ça être intelligent. Effectivement. Et du coup, juste pour finir, excusez-moi, et du coup, la façon dont nous allons organiser nos pensées ne va pas seulement s'arrêter sur nous-mêmes. On doit aussi les organiser en rapport avec celui qui est en face, la personne qui doit recevoir le message. Une des choses que j'ai aussi appris de toi, c'est que nous sommes responsables du... J'ai envie de dire de la grande majorité des choses que nous disons. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ma mère qui est rentrée en moi le dire. Dans le sens où, en fait, on ne peut pas se dire que si tu as mal compris, ce n'est pas mon problème. On a aussi une très grande responsabilité. Parce que beaucoup de gens vont dire, si ça t'a vexé, ce n'est pas de ma faute. Il y en a qui vont dire, si ce que j'ai énoncé, tu l'as mal compris, ce n'est pas mon problème. C'est vrai que la personne en face peut se dire, j'ai une petite part de responsabilité, mais celui qui véhicule la pensée a la plus grande part de responsabilité, parce qu'il doit prendre en compte le contexte et doit prendre en compte peut-être la fatigue de la personne, on doit prendre en compte la culture, l'âge, tellement d'informations. Comme tu dis, ce qui se conçoit bien, c'est clairement. Mais dans la conception, là, il y a toutes ces choses. Je pense que c'est important aussi de le relever. Et effectivement, pour rebondir sur ce que le pasteur Darius dit, ça s'applique même à ceux qui apportent le message, apportent la parole le dimanche. Et souvent, tu nous l'as enseigné, tu nous dis que lorsque vous prêchez ou lorsque vous exhortez, c'est important d'avoir un plan. Pourquoi ? Parce que ceux qui nous écoutent,
veulent écouter quelque chose d'organisé pour bien le comprendre. Mmh. Et j'ai remarqué que même ceux qui nous écoutent n'ont pas la même exigence intellectuelle. C'est ça. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des gens, moi je sais que rapidement je décroche lorsque la personne, lorsque je sens que les idées sont très dispersées. Quand c'est très dispersé, en fait. Ouais, si tu décroches. En fait, j'arrive pas à me concentrer sur ce que dit la personne. Ouais. Or, lorsqu'il y a un plan, j'arrive à comprendre là où la personne essaie de m'emmener. Mmh. Et très souvent, j'ai même remarqué que mon esprit s'ouvre facilement parce que c'est comme s'il arrive déjà à capter la fin du message. Il se dit, waouh, en fait, c'est là-bas qu'on est en train d'aller. Alors, lorsque la personne va dans tous les sens, je n'arrive même pas à voir, même spirituellement, là où elle essaie de m'emmener. Mmh. Et des fois, la personne est même remplie, hein, mais le fait qu'elle n'ait pas conçu clairement son message de façon organisée, ça fait que la connexion ne peut pas se faire de manière très fluide et très rapide, en fait, parce qu'on ne sait pas où elle veut aller. Effectivement, on voit qu'il y a tous ces éléments-là qui peuvent dénaturer, finalement, un message. Un message. Encore une fois, ça confirme ce qu'on dit de la structure de l'âme, en fait. Et la structure du cerveau, comme l'apôtre le disait tout à l'heure, effectivement, quand les choses sont bien organisées, on a une facilité d'être captivé, on comprend, parce que c'est l'âme qui est comme ça. On pense que c'est une affaire de nous-mêmes. Dieu nous a créés comme Dieu ça. Dieu nous a créés structurés en fait, et logiques. Oui, logique. L'âme est comme ça. Avec du bon sens. Et le bon sens et le cerveau également comme ça. Ça fait que même si le message est intéressant, qui n'est pas bien agencé, c'est pour ça que l'apôtre parlait de l'intelligence. Ça, c'est le rôle de l'intelligence. La sagesse va percevoir, mais l'intelligence va organiser, va agencer des idées. Et comme le pasteur David le dit, l'intelligence va même nous aider à adapter le message en fonction des contextes, en fonction de l'auditoire. Il disait même quelqu'un qui est... quelqu'un qui est fatigué. Mais en fait, ça, c'est l'intelligence. Et c'est pour ça aussi, la parole, la Bible va dire qu'en disant la vérité, par exemple, avec amour, tu vois également, ça fait partie de l'adaptation. Parce qu'il ne suffit pas de dire des choses. Est-ce que ça va arriver à mon auditoire? Est-ce que ça aura de l'impact? Est-ce que ça aura du sens? Donc, c'est tout ça, l'intelligence, quand on parle. Regardez, nous, le but de cette étude, c'est de vous aider à correctement éduquer vos pensées afin que vous deveniez performant et efficace. Quand la Bible, et quand on dit performant et efficace, c'est dans tous les domaines. Dans la conception de vos projets, mais aussi dans vos relations, en fait. Parce que quand la Bible va nous dire qu'il faut être lent à parler et prompt à écouter, pourquoi, en fait? Parce que quand l'autre est en train de parler, si subitement tu réponds, tu peux être insensé. Alors que quand tu es lent à parler, pendant qu'il est en train de parler, tu analyses et tu conçois déjà ta réponse. Parce qu'en fait, c'est à ton avantage si ta réponse est organisée, claire, nette et précise. Parce qu'après tout, tu es en train d'avoir cette conversation-là pour arranger les choses. Est-ce que c'est pour les détruire? C'est pour arranger les choses. Et parfois, on a l'impression que dans nos conversations avec les gens, au lieu d'arranger, on empire les choses. Et l'une des raisons, c'est parce que très souvent, on ne conçoit pas bien les choses. On ne les conçoit pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas le principe d'être lent à parler, d'être prompt à écouter et lent à parler. Donc, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, en même temps tu écoutes la personne, en même temps tu analyses, en même temps tu organises et tu structures ce que tu vas lui dire, en fait. Et même pour ajouter à ce que tu dis, pasteur Darius, en fait, le fait de concevoir sa réponse ne veut pas dire le fait d'anticiper qu'on va dire. Parce que certaines personnes, des fois, t'écoutent, mais ils savent déjà ce que tu vas répondre. Ils ne veulent même pas aller au bout de ta pensée, ils veulent déjà, en fait, répondre avant même que tu aies développé ta pensée. Donc, c'est très important ce que tu dis, le fait d'être lent à parler. En fait, j'écoute ce que la personne veut dire et en captant ce que la personne dit, je capte même l'émotion qui est derrière. Parce que des fois, lorsque la personne parle, je peux même faire le tri entre le côté émotionnel qui déborde et la pensée qu'elle veut réellement exprimer. Ouais, mais là, il faut être intelligent. Faut vraiment, c'est l'intelligence. Il faut être intelligent et sage par rapport à ça, surtout la sagesse. La sagesse, et c'est un exercice qu'il faut apprendre à faire. Parce que quand tu n'apprends pas à faire ça, parce que quand tu es sous les émotions, tu ne peux pas faire cet exercice-là. Tu dis non, il a voulu parler comme ça, machin. Tu veux pas. Continue, pas ça, gentil, excuse-moi. C'est vrai, effectivement, c'est la sagesse et l'intelligence pour faire le tri. Et la personne qui écoute ne doit pas être elle-même désordonnée dans ses émotions. Parce que pendant que tu écoutes, il y a certaines phrases que la personne va dire qui peuvent peut-être toucher tes émotions, mais il faut faire la part des choses. Amen. Qu'est-ce que la personne essaie réellement d'exprimer, de dire? Et je pense aussi qu'au-delà de ça, il y a des personnes qui ne vont pas réussir à prendre le temps d'écouter, c'est parce qu'elles sont déjà blessées.
Et du coup, comme elles sont blessées, la blessure, ça va être quoi? Ça va être le fait d'avoir des pensées qui sont mal positionnées ou d'avoir accepté des choses qu'on n'aurait pas dû forcément accepter. Et du coup, à partir de là, lorsque la personne en face est en train de s'exprimer, on se fait déjà des idées sur ce qu'elle est en train de dire. Ouais. Et ça, et du coup, ça désoriente même ça la discussion. Ça désoriente, ça bloque même. Ça bloque. Ouais. Et du coup, la personne, elle va dire, OK, je t'écoute, comme il disait, mais t'écoutes pas. Mais dis juste, j'attends mon tour. C'est vrai, non, c'est vrai. J'attends mon tour, je vais te balancer le truc. Et du coup, elle n'est pas en train d'écouter. Or, le but, c'est d'échanger. Tout à l'heure, pendant que tu étais en train de parler, je me suis dit, il y a une idée qui m'est venue. En fait, je me suis rendu compte que les pensées sont là pour que nous puissions échanger, échanger, réussir à communiquer notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses, donner un angle différent, en fait. Donc, je pense aussi que quand Dieu va nous donner la pensée, c'est pour que nous puissions exprimer les différents angles que nous voyons de la chose. Parce qu'en réalité, on ne voit pas toujours tout. Hein. C'est-à-dire que selon là où nous sommes positionnés, on ne voit pas les mêmes choses, en fait. Or, si je refuse de dire que, si je refuse d'accepter ta pensée en me disant que moi, je vois les choses de cette manière-là, c'est de l'orgueil. Parce que je suis en train d'estimer que non, la seule façon de voir les choses, c'est que comme ça. Si la personne ne voit pas depuis mon angle, c'est que elle ment ou bien elle ne voit pas bien. Alors que l'autre, qui est de l'autre côté, voit les choses d'une autre façon. Donc, je pense que la pensée nous a été aussi donnée pour nous aider à voir l'ensemble de la chose, en fait, déjà. Parce que, Isaac, avant que je ne puisse... Oui, et puis, je vois vraiment que des bonnes dispositions de pensée, comment dire ça, des bonnes pensées qu'on peut avoir vont forcément nous aider à percevoir, à capter d'autres bonnes pensées. Non, c'est ça. Donc c'est important souvent, c'est pour ça que Dieu veut toujours qu'on se prépare, qu'on évacue peut-être des mauvaises pensées qui peuvent dedans de nous, pour toujours accepter, d'ailleurs pour accepter les choses objectivement, ça c'est important. Sinon, si on a des mauvaises pensées qui crient plus fortement, ces pensées vont nous empêcher de recevoir des bonnes pensées qui arrivent. Finalement, il y aura comme cette distorsion-là spirituelle qui va se faire dans notre âme. Nous discutions avec un frère un jour, en fait, et le frère avait des conflits avec ses responsables à l'église. Et en fait, on lui dit, mais va parler à tes responsables. Il dit, non, moi, je les connais, ils sont trop intelligents. Quand je vais leur parler, quand je vais leur parler, après, je n'aurai plus de mots. Je serai coincé. Ils ont des réponses à tout. Voilà. Non, ils ont réponse à tout. En fait, c'est important que vous fassiez confiance à votre cerveau. C'est ça. En fait, chacun d'entre nous, nous pouvons tirer de très bonnes conclusions si nous avons la bonne méthode de réflexion, si nous avons des préalables et si nous avons des bases, en fait. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer, en fait, dans cette série. Amen. Comment avoir. Et la Bible est claire sur les préalables à avoir pour arriver à des bonnes conclusions. Par exemple, quand la Bible va dire « l'amour ne soupçonne point le mal », par exemple, ça c'est déjà pour te préparer à être objectif par rapport à la vérité, en fait. Mais si tu es du genre à soupçonner le mal, sache en fait que tu fausses déjà les bases pour arriver à des bonnes conclusions. Ce que vous voyez, donc, Dieu va nous donner un équipement des préalables, des méthodes. Et moi, j'ai bien aimé le livre de Descartes, le discours de la méthode. Parce que dans ce discours, dans ce livre, il décrit une méthode pour parvenir à la vérité. La vérité que les philosophes recherchent. Platon a recherché la vérité, Socrate a recherché la vérité, Descartes a recherché la vérité. Amen. Jésus a dit, je suis la vérité. Alléluia. Et pour rebondir sur ce que tu dis, apôtre, c'est pour ça que vraiment tout à l'heure, je disais qu'il faut faire vraiment la part des choses entre le fait de réfléchir et ses émotions. Suis-je par là en train de dire que les émotions ne fonctionnent pas avec la réflexion? Non. Parce que lorsque j'ai une vision, forcément, mes émotions vont être impliquées. C'est ça. Quelqu'un qui veut bâtir un grand immeuble, forcément, ses émotions vont être impliquées dans son immeuble. Lorsqu'il aura conçu son immeuble, il va forcément aimer cet immeuble-là parce que c'est le fruit de sa pensée. Mais lorsque je dis dissocier les deux, ça veut dire que lorsque je réfléchis, je dois d'abord arriver à détacher mes émotions de ma réflexion. Tu le disais, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais si mes émotions sont déjà impliquées, je dis non, cette personne-là, elle est mauvaise. Chaque fois qu'elle a parlé, ça m'a fait mal. Je ne vais plus arriver à réfléchir de manière très claire et très lucide parce que mes émotions sont déjà impliquées. Et c'est pour cela que la sagesse intervient à ce moment-là pour te dire non. Même si cette personne t'a peut-être offensé la dernière fois, mais elle ne va pas t'offenser aujourd'hui. Et Dieu fonctionne même comme ça avec nous. Dieu ne se dit pas non, il a trop péché, ça m'a fait mal.
ne veux plus l'accepter, non. Ah, je ne veux plus accepter, je sais, il va encore pécher. Non, je sais, il va encore pécher. Alors que dans la sagesse de Dieu... Envoyez-le à l'enfer direct. Envoyez-le à l'enfer direct, je sais, il va encore pécher. Alors que dans la sagesse de Dieu, il arrive à dans sa réflexion, à se dire, je l'ai conçu pour faire le bien. Et je sais qu'il peut arriver à faire le bien. C'est ça. Je ne sais pas si franchement les gens vont arriver à comprendre ce que je suis en train de dire, mais Dieu arrive dans sa sagesse à anticiper, à voir plutôt la nature de l'homme qui va plutôt, qui tend plutôt vers le bien. Mais exactement, parce que c'est lui qui a créé. En fait, il a créé l'être humain et... En fait, Dieu a confiance en sa créature. Dieu a confiance en nous. Dieu a confiance en ce qu'il a mis en nous. Parce qu'en fait, regardez, même quand le monsieur n'est pas sauvé, il a la conscience. Vous comprenez? C'est maintenant, quand il est sauvé, il a toujours le Saint-Esprit, en fait. Même si, moi, je suis convaincu, que même si on n'a pas lu un livre sur une question, moi, je sais que si on s'assoit sincèrement pour réfléchir, il y aura toujours une petite voix à l'intérieur qui va nous indiquer le chemin à suivre, en fait. Et ça, c'est la voie de la sagesse, en fait. Et sans vouloir te couper la peau, je ne sais pas si... Non, vas-y. En fait, et ce que tu dis est vraiment intéressant parce que Dieu va regarder plutôt à nos besoins plutôt qu'à nos fautes. C'est-à-dire que lorsque tu fais une erreur, lui se rend compte, en fait, de là où tu as un manque plutôt que de regarder à l'erreur, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne va pas se dire, oh, il a fait une erreur, oh non, il est mauvais, regarde cette erreur, etc. Lui, il va se dire, s'il a fait une erreur, ah, c'est parce qu'il lui manque ça. Bon, il va réussir à avoir ça. Et du coup, ça permet de relativiser. Ça peut peut-être même être une clé pour certains de ne pas se focaliser sur les erreurs et les défauts des autres, mais plutôt se focaliser sur leur manquement. Et du coup, ça permettra même de prendre du recul et de se dire, vu que la personne me parle comme ça ou n'arrête pas de me couper lorsque je parle, c'est peut-être parce qu'elle a du mal à maîtriser ses émotions. Et donc, ah, ok, bon, bah, on va comment on dit ça, on va relativiser parce que la personne a du mal à s'exprimer correctement, mais c'est pas parce que elle a un problème avec moi. Comme le pasteur Gentil disait, c'est que si on prend pas du recul, on aura l'impression que c'est nous le fautif, c'est nous, la personne est en train de nous attaquer, elle est en train d'essayer de nous faire du mal, alors que non, la personne a du mal à s'exprimer, elle s'exprime mal, du coup, il faut juste prendre du recul pour réussir à pouvoir lui dire ce qui ne va pas. L'exemple que tu as pris tout à l'heure, ça, c'est une personne qui va avoir du mal à croire que ses responsables auront cette objectivité-là. C'est ça, de se dire, mais on ne va pas prendre ça en compte, il ne s'exprime pas bien, on n'a pas eu le temps de s'exprimer. Et la personne se dit, non, je vais me faire avoir, comme d'habitude. Je vais parler, je vais dire un mot et tout de suite, bam, et là, donc ça ne sert à rien, je laisse tomber. Or, c'est avec cette attitude-là, justement, que la personne est en train de se faire avoir par cette mauvaise façon de penser. Gloire à Dieu. En tout cas, je crois que cette émission vous a béni. Merci beaucoup, cher pasteur. Nous sommes en train de parler de la pensée et on a démarré une très longue série extrêmement importante. Je vous dis, notre objectif ici, c'est de vous aider à pouvoir comprendre les mécanismes intellectuels qui vont vous amener à créer votre monde et à être performant. Aujourd'hui, on a parlé de la pensée et comment la pensée va influencer vos relations. Dans la prochaine émission, nous allons vous parler des idées et comment organiser ces idées pour pouvoir créer sa vie et pour pouvoir concevoir sa vie. Vous avez aimé cette émission? Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Évangile TV. Cliquez sur « Abonner » et n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines émissions. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en faisant un don à Évangile TV. Je crois que ces moments vous ont béni. N'hésitez pas à nous écrire. Je vous dis donc à bientôt.